Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Origin. Bon game, merci. Hors de mon chemin, papa, chez toi. Fais moins de bruit, s'il te plaît, ma tante. Tu risques d'affoler les hippopotames ou de faire revenir les bandits. Semble marcher sans peur. Peux-tu aider un pauvre paysan? Un hippopotame a tué ton ami. Oui. Ces animaux font des dégâts et tuent beaucoup de gens. Hier, nous avons été attaqués par des bandits. Ensuite, ils ont dérangé les hippopotames et ils les ont rabattus vers nos champs. Les dieux semblent avoir décidé de nous tourmenter. Tant que les hippopotames seront là, nous ne pourrons pas nous occuper des récoltes, et encore moins de nos morts. Je vais t'aider à ramasser les corps. Ah, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Vache, c'est quoi ce... Eh mais qu'est-ce que t'as, je t'ai rien fait. Putain l'enfoiré. Ah,
Bah ça va. Ah, succès, charge lourde, cool.
Magi! Laissez passer, commandant. Ça, tu vas pouvoir lui prendre tout son matos. Je cherche Arcouf, le maître brasseur. Je suis occupé. Va plutôt voir un de mes contremaîtres. Tu m'as mal compris. Je suis un Magi. C'est Apollodorus qui m'envoie. Apollodorus, bien sûr. Je viens m'occuper du scarabée, l'ombre qui plane sur Saïs. Chut, s'il te plaît, il ne faut pas prononcer ce nom. Apollodorus sait que la population souffre. Avec mon métier, beaucoup de gens viennent se confier à moi. Le commerce va mal, les soldats se croient tout permis, et les collecteurs d'impôts de Ptolémée nous prennent à la gorge. Viens avec moi, nous converserons plus tranquillement à l'intérieur. Donne-moi une autre ration de date. De terribles histoires courent au sujet du scarabée. Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé. On parle de mutilation, de disparition, de gens enterrés dans le désert mourant à petit feu. Une fin horrible. Piégé dans le sable scintillant, le corps et l'âme brûlés par les rayons du soleil. À attendre la libération et la douate. Mais ce ne sont que des histoires. Mais le scarabée, s'il existe, mieux vaut pour tout le monde ne pas parler de lui. Le dernier homme à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort. La langue arrachée.
Qui était-ce ? Le vieux Gupa, le beau-père de l'homme le plus puissant de la région, Taharqa. Ce garçon, Kawab, est son petit-fils. Alors, fatigué de gagner ? Je cherche ton grand-père. Tu sais où il est ? Non, il est parti tôt en direction du camp Pyros. Il devrait déjà être rentré. Je vais voir si je le trouve sur la route. Très bien gardé. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça, crève !
Qu'est-il arrivé au monde? Hein, Maker? Barrez-lui la route! J'ai la cible en vue! Pas. Je vais te sortir de là. Je crois que tu vivras. Je sais que le scarabée t'a pris ta langue. Et on peut s'entraider. Arkouf m'a dit que tu enquêtais sur le scarabée. Aide-moi. Et je te promets qu'il mourra. Attends, je suis déjà à 26 minutes là. Sur Mix. Ouais. Et de ses fétous à Saïs. Ils sont ses yeux. J'ai entendu nos furs dire qu'ils allaient partir pour l'Étopolis. Hommes d'action, vagabonds, ne cherchez plus le réconfort ici. Voyagez. Secoué, battu et mort de soif. Les soldats n'ont pas été tendres avec lui, mais il vivra. Où est ton père, Kawan? Il faut que je lui parle. Mon père n'est pas là. Il travaille à son œuvre. Mère, grand-père est blessé. Les soldats l'ont encore pris pour un mendiant. Père, mais qu'as-tu fait cette fois? Il cherchait le scarabée. J'espère qu'il pourra m'aider. En échange... Ouais. Je protégerai ta famille. Ouais, dehors, là. Putain. Tout le monde le sait. Il veut que tu les lises. Apparemment, le scarabée a demandé à des guerriers d'aller à l'Étopolis. Par les dieux, mon mari est là-bas. La ville engloutie par le désert. Le destin de mon père est de la rebâtir. Nous allons bientôt le rejoindre, n'est-ce pas, mère? Oui.
Mon mari Taharqa y trine depuis des mois. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Il connaît tout le monde là-bas. Si tu y vas, dis-lui que j'ai hâte de le revoir. Je lui dirai, Kawab. Hop, comme ça.